Salut les amis, ici Chris, on se retrouve aujourd'hui pour l'ouverture de Super Dragon Ball Heroes Card Gumi numéro 7. Ça date de quand? Ça date. Je trouve la date. On va voir ça sur le paquet. De toute façon, il m'en reste 10 à ouvrir. Donc, ça date de 2018 aussi. Donc voici. Il n'y a qu'un seul dessin sur le paquet. Donc la carte rare, c'est celle-ci. Donc on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il y a 10 paquets dans cette boîte. Voilà, un gros tas de paquets. Donc dedans, on a un bonbon, goût énergie et une carte à collectionner. On va commencer avec le premier paquet. Donc, on commence avec un Son Goku en forme God. Donc, vous savez, ce sont les cartes, donc les cartes japonaises. Où on utilise pour sur les bornes d'arcade de Dragon Ball Heroes. Et là, par exemple, on a les points de vie, les points d'attaque et les points de défense. Parce qu'on voit bien, il veut pas, le focus veut pas se faire. Voilà. Points de vie, points d'attaque, points de défense. Et ce que on doit faire pour activer l'attaque spéciale. Donc là c'est un demi-cercle. On fait comme ça sur la on fait comme ça sur la machine et ça fait l'attaque. Donc voilà la première. Et le bonbon, c'est ce logo là. Ce qui est bien, c'est que on peut réutiliser une fois qu'il n'y a plus le bonbon, on peut réutiliser l'emballage pour faire des chocolats. Vous faites fondre du chocolat et vous remplissez et vous avez des chocolats avec le logo Dragon Ball. Petite astuce. Donc, deuxième paquet. Donc, on sort la carte en premier et nous avons Gotrunk Z. Ouais, je crois que c'est ça. Gotrunk. Elles sont très belles les cartes avec les effets gold, tout ça. J'espère qu'on voit bien la caméra. Gotrunk. Et le bonbon, quel est le motif du bonbon? C'est la boule de cristal numéro 4 à 4 étoiles. Hop. Oh, pardon. En plus, je touche la caméra. Ouh, ça fait des mouvements. Et là, nous avons Bojack. Bon. Non, c'est ça? Beau Jacques. Ah, c'est ça. Beau Jacques. Voilà. On va dire. Hop, hop. J'espère qu'on les voit bien. On va décaler ça. Ça. Et là, le bonbon
4 étoiles aussi. Là, nous avons Vegeta, un Super Saiyan avec Beerus et lui, je sais plus, je retiens jamais son nom. Et le bonbon, c'est ce logo là. Okay. Alors, là, nous avons mince. John. Ah, je sais plus. Je connais plus son nom. Dites-le-moi en commentaire. Et le bonbon. 4 étoiles encore. Et là, nous avons une double. Et là, c'est le logo de Kame Sennin, si je ne me trompe pas. Non, c'est pas Kame Sennin, celui-là. Je sais plus ce qu'il. Dites-le moi en commentaire si vous avez la ref. Ah. Il se bat. Et nous avons l'ultra rare. De végétaux végétaux ou non c'est Vegeta B ouais c'est plutôt Vegeta Vegeta carte toute gold qui brille de mille feux. Hop. Et le bonbon, c'est le même logo. On peut avoir le logo de Kame Sennin. Et là, nous avons Sangohan. Sangohan qui prépare un Kamehameha ou qui lance un Kamehameha. Et là, nous avons le bonbon avec une étoile. Avant le dernier paquet, Sangoku. Et le bonbon, c'est celui-là. Dernier paquet. Et une double. Pas de chance. Et la boule à 4 étoiles. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo autre que Pokémon vous aura plu. Et donc je vous dis à une prochaine vidéo ou à une vidéo bonus Pokémon peut-être tout à l'heure, je sais pas encore. On verra. Je vous dis à plus et n'oubliez pas, abonnez-vous, la cloche de notification, le pouce bleu, le commentaire. Et ça me fait très plaisir tout ça. Bonne journée.